Et j'avais envie de vous partager ce matin. J'ai envie que ça soit un message simple, un message court. Donc évidemment, quand j'ai parlé du Lévitique tout à l'heure, je blaguais, on ne le fera pas cette fois-ci. Mais j'avais à cœur de parler de la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui est simple au final, mais c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui est simple, qui est compliqué, et puis qui est très important. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, tout se fait via la foi, grâce à la foi. Et lisez l'épître aux Hébreux, Hébreux 11 nous parle de ce qu'est la foi et nous dit qu'en gros, tout se fait avec la foi et rien ne se fait sans elle. Et que c'est l'ingrédient principal, je dirais, de notre vie de chrétien, de notre vie de foi. La foi, c'est croire ce que me dit la parole de Dieu, même si je ne la comprends pas forcément, même si je ne vois pas forcément, mais c'est croire que c'est la vérité, la parole de Dieu. La foi n'est pas quelque chose que j'espère ou que je mets ma foi dedans en disant « voilà, ça c'est la foi ». C'est ce que Dieu me dit sous une forme ou sous une autre, au travers de sa parole, au travers d'un don, par exemple, un charisme qui est donné en adéquation avec la parole de Dieu. Je précise bien, mais ça on en parlera jeudi à l'école biblique, que tout don qui est donné, quelle que soit la forme, doit obligatoirement être appuyé sur ce que dit la parole de Dieu, affirmé et scellé d'une certaine manière par ce que dit la parole de Dieu. Tout don, quelle que soit sa forme, qui contredit ce que dit la parole de Dieu, n'est pas un don qui vient de Dieu. Et donc, la foi, c'est se baser sur ce que Dieu m'a dit, sous une forme ou sous une autre. Et c'est l'ingrédient principal de notre vie de chrétien, normalement. Quel est le problème de notre vie d'église d'aujourd'hui, de nous, chrétiens, aujourd'hui, de l'Occident? Je me suis posé la question, quel est le problème principal? Évidemment, avec la belle introduction que je viens de vous faire, vous avez compris ce que je vais dire, c'est que peut-être au niveau de la foi, alors, on a une grande foi, une petite foi. Ce qui est bien, c'est que peu importe la taille de notre foi, il nous faut juste au moins un tout petit peu de foi pour que Dieu puisse agir. Je me pose la question si la foi n'est pas un ingrédient qui peut manquer des fois dans notre société. Est-ce que des fois, on ne se base pas plutôt pour s'approcher de Dieu de nos capacités, de nos savoir-faire, de nos traditions ou des choses qu'on a mises en place pour se sécuriser, pour pouvoir s'approcher de Dieu, plutôt qu'avec foi? Je donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on se réunit le dimanche, on peut très bien s'approcher de Dieu sans avoir foi qu'il est au milieu de nous. On peut très bien dire, voilà, moi je suis chrétien, alors je dois venir chanter, je dois donner mon offrande, par exemple, je dois essayer d'être attentif quand le prédicateur parle, etc., mais sans y mettre forcément une notion de foi dedans. Et l'ingrédient peut être manquant. Et la foi, c'est essayer de réaliser ce que Dieu m'a dit, mais aussi qui il est. On le déclare dans nos chants, qu'il est au-dessus de tout, incomparable, capable de tout, y compris même nous guérir le cas échéant quand les médecins disent « c'est pas possible ». Bien entendu, je remets un guillemet parce que c'est important de l'entendre, que Dieu fait ce qu'il veut toujours, et que des fois il peut guérir. Toujours il peut guérir, mais il a décidé de faire autrement. C'est sa décision. Et comme moi, ni chacun, ni aucun de nous sommes Dieu, on ne peut pas lui dire « là, tu aurais dû plutôt faire ça que ça ». Job s'est tenté, si vous connaissez l'histoire, à un moment donné, il s'est heurté à lui dire en gros « qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas, moi je ferais un peu comme ça ». Et Dieu l'a regardé, mais lui a dit « mais t'étais où quand j'ai créé la terre ?» T'étais où quand j'ai fait telle et telle chose ? Et ainsi de suite, vous lirez le texte. Et ça nous remet, d'une certaine manière, au travers de ce que Dieu dit à Job, aussi nous à notre place. Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qui est bon ? On était où quand il a créé la terre ? Ou même, sans revenir aux origines de la terre, on était où quand on était façonné dans le ventre de notre mère ? Il est Dieu. On ne peut pas lui donner de leçons, on ne peut pas le comprendre. La seule chose qu'on peut faire, c'est de choisir de croire. C'est la foi. Je me pose la question si aujourd'hui, dans notre fonctionnement même d'église ou de chrétien, il n'y a pas certains sujets où on s'est dit,
ben là, c'est trop grand. Alors, on ne se le dit jamais comme ça. Mais c'est trop grand, Dieu ne pourra rien faire. On ne le dit jamais comme ça. Mais des fois, on le pense. Je dois vous confesser quelque chose. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand on était à l'école biblique, on est allé au Mali. Et c'était un moment pour moi merveilleux, à bien des égards, pour diverses raisons. Mais parce que j'ai vu vraiment, dans plein de situations, la main de Dieu agir. Et quand je dis la main de Dieu, c'était évident que ça n'avait rien à voir avec moi. Parce que c'était pas moi, tout simplement. Et je me souviens, j'avais été interpellé fortement par le Seigneur à un moment donné. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se levait le matin, on priait. On faisait ça toute la journée, on faisait que ça. On louait le Seigneur, on était dans notre chambre d'hôtel, on buvait un petit coup, une petite tisane, un petit machin. On faisait que prier, que chercher la face de Dieu, que s'exhorter. On faisait que ça. Et le soir, on allait en ville pour des réunions d'évangélisation et puis dans les villages, etc. On annonçait l'évangile, puis on demandait à ceux qui voulaient accepter le Seigneur de lever leurs mains. Et ce qui était trop bien, en tout cas au Mali, très flatteur pour notre ego, c'est que quand on faisait un appel comme ça, bah, y avait 100% qui levaient la main. Vous savez, c'est pas comme on est en France où... Attends, je réfléchis. Je regarde l'autre s'il se lève, si lui se lève, je vais me lever. S'il se lève pas, je reste assis. Oui, c'était spontané, les gens. Ouais, moi, je veux suivre le Seigneur Jésus. Donc ça, c'était le premier appel. Et deuxième appel, c'était, est-ce qu'il y en a qui sont malades parmi vous? On va prier pour vous. Et là, pareil. Il y avait 100%, peut-être pas 100%, mais au moins 99,9% des gens qui se levaient. Il faut dire qu'au Mali, bah, c'est, il n'y a pas la sécu comme en France, hein, voyez-vous. Et les gens ont beaucoup moins accès à la médecine. Et puis, il y a tellement de besoins, tellement de choses. Et, et donc, les gens disaient, bah, voilà, on nous propose de prier pour nous et vous nous dites que Dieu peut nous guérir, que Dieu peut intervenir dans notre situation. Bah oui, priez pour nous. On place d'une certaine manière notre foi en ça. Okay. Et on priait pour des gens, vu des choses merveilleuses. Et puis, vous savez, quand vous priez pour des gens, vous voyez les gens arriver. Donc vous dites, bon, qu'est-ce que lui peut avoir? C'est quoi son problème? Ah, c'est une angine. Ok, je vais prier pour toi, pas de problème. À toi, il te manque un bras ou une jambe. Vous voyez, il y a tellement des maladies là-bas bizarres, parce que je vous dis, il n'y a pas tous les soins, il y a des gens qui étaient vraiment, je dirais, traumatisés, que plein de fois, je me suis fait cette réflexion-là en me disant, mais ça, c'est trop. Parce que c'était basé sur ma capacité, au final. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui agit, ouais, ouais, mais c'est toi qui prie quand même. Et moi, c'est comme si, instinctivement, je faisais des sélections. Je me disais, là, ça va marcher, là, ça ne marchera pas. Alors, je vous partage ça parce que je sais que je ne suis pas le seul. Et que des fois, dans nos situations de vie, on est comme ça. On va prier volontiers pour un mal de tête qu'on pourrait avoir, mais pour des choses qui paraissent plus sérieuses, ou du moins le diagnostic des médecins semble plus... Peut-être que là, notre foi peut diminuer. Et que, ou alors, c'est plus une foi qui est en espérance de ce que Dieu peut faire parce qu'il peut tout, mais c'est plus un cri « Au secours, au secours !» Presque un cri de panique. Mais est-ce que c'est une foi véritable? En tout cas, c'est tout ce genre de questions que je me pose. Et je me dis, dans notre milieu à nous, parce qu'on n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de nous. Est-ce que encore la foi a une possibilité de renverser nos acquis intellectuels, notre tradition, notre culture? Ou dit autrement, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on croit qu'on peut se faire bousculer un peu si l'Esprit de Dieu a décidé d'agir? Et quand je dis ça, moi je le disais, on en parlera jeudi, moi je suis un charismatique, dans le sens où je crois au charisme, mais je ne crois pas au pipeau, vous voyez, chose authentique. Quand je parle de se faire bousculer, il ne s'agit pas de se laisser pousser des cris ou je ne sais quoi, ou des choses authentiques. Peut-être que des fois, dans l'écrit, il y a des choses authentiques. Mais comprenez que je ne suis pas en train de vous parler d'atmosphère ou de choses qui n'ont pas de sens, qui sont juste des traditions et des choses un peu bizarres. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que notre foi est suffisante aujourd'hui pour laisser renverser peut-être nos acquis à nous? Parce que nous, on est sympa. Bah, dites amen. On est bien posé, on est bien réfléchi, et c'est bien. Le Seigneur aime ces choses-là. Que les choses soient bien ordonnées. Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser bousculer? Est-ce que j'ai, si je peux dire comme ça,
un petit grain de folie dans ma foi qui est prêt encore à dire, Seigneur, parce que moi j'ai décidé ce que j'ai établi, mais ce que toi tu décides. Jésus nous fait peur des fois, vous savez. Il y a certains textes, j'ai déjà lu plein de fois, vous avez Luc 18 au verset 8 par exemple, la fin de ce verset. Il dit seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? C'est une question que Jésus pose, qui nous fait froid dans le dos. Mais quelque part, lorsque j'analyse un peu ce que nous pouvons vivre des fois, effectivement, Jésus a toujours raison. Et cette question est légitime. C'est une question que nous pourrions nous poser à nous aussi, à titre individuel. Est-ce que Dieu peut trouver encore de la foi dans mon cœur ? Pas une tradition d'église, pas un savoir-faire d'église, pas des pensées toutes faites, mais une foi authentique. Lorsque je traverse la difficulté, par exemple, c'est là, je crois, où on peut se rendre compte où est notre foi véritablement. Jésus pose la question. Lorsque je reviendrai, d'une certaine manière, est-ce que je trouverai encore vraiment la foi sur terre ? Alors j'aimerais que nous puissions réfléchir sur cela, voir où nous en sommes. Je précise bien encore que la foi, ce n'est pas entrer dans une espèce de méthode couée où je me dis, c'est ça, je crois ça, etc., c'est mes pulsions, j'ai envie de ça, et je rentre dans ça. Non, c'est croire ce que Dieu m'a dit, sous une forme ou sous une autre, même si ça me paraît déraisonnable. Je pense que la foi est évidemment en lien avec notre incapacité. Je vous ai déjà dit ça. Lorsque j'étais à l'école biblique, le premier cours qu'on avait fait, l'orateur qui était là, c'est Colin Dye. Il est assez connu, il écrit pas mal de bouquins. Et il nous posait cette question, mais de quoi vous rêvez ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Après quoi vous courez ? Quel est votre rêve pour venir à cette formation-là ? On pourrait poser la question à Emily et Steven. C'est quoi votre rêve ? Pourquoi vous faites ça ? Moi, je sais, on a un peu partagé. Et puis, il nous disait, mais en même temps, si le rêve que vous avez dans votre cœur, si le moteur pour faire cette formation, c'est quelque chose que vous pouvez accomplir par vous-même, il nous avait dit, ce rêve ne vient pas de Dieu. Parce qu'on peut le faire avec nos propres forces. Et Dieu est celui qui, je crois, veut nous emmener dans des choses qui dépassent ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut déclarer comme étant raisonnable. Lorsqu'on est venu à Limoges, je ne pouvais pas saisir tout ce que Dieu voulait ou pouvait faire ou allait faire, mais d'une certaine manière, j'avais senti ça dans mon cœur. De me dire, mais on était à Marseille, nous a dit, voilà, il y a une église à Limoges qui cherche... J'ai dit, Limoges, c'est où ça ? Et puis on est venu. Et c'est comme si le Seigneur a déposé quelque chose dans notre cœur. Je me pose la question si aujourd'hui, des fois, je n'ai pas du mal à croire ce que Dieu a mis dans mon cœur, en voyant la réalité du terrain, en me disant, oh Julien, tu t'es peut-être un peu enflammé. Et je vous partage ça parce que je sais que dans un domaine ou dans un autre, on peut tous penser la même chose. Et on reprend la phrase du diable, Dieu aurait-il vraiment dit ? Moi, je crois que dans mon cœur, pour notre communauté, pour notre église, pour ma vie à moi, des fois, j'ai peur de rêver et de croire ce que j'ai l'impression d'avoir reçu dans mon cœur. Je dois vous le dire. Alors, quand je me rends compte, je dis, oh, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et moi, je choisis de croire que ce que j'ai reçu dans mon cœur, ça vient de Dieu, que c'est humainement impossible pour moi à mettre en place, mais que pour Dieu, ce n'est pas impossible. Alors, je me réjouis. Je ne veux pas me soumettre à l'atmosphère ambiante de cette ville qui est proclamée de manière récurrente, Limoges, on est limogé. Vous voyez, toutes ces mentalités-là, je crois que Dieu a un plan pour cette ville et que chacun de nous qui sommes ici dans cette ville, quelles que soient nos origines, quels que soient nos projets, même si nous prévoyons de partir, Dieu nous appelle aujourd'hui pour le bien-être de cette ville, pour nous utiliser à chacun
Et donc, je ferme ma parenthèse pour vous dire, n'arrêtez pas de rêver. Nourrissez ça dans la prière et entrez dans les petites choses que Dieu vous montrera. Alors, en parlant de petites choses, je vous propose de faire un tour dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11, et on va lire le premier verset jusqu'au verset 26. Marc 11, à partir du premier verset, le texte nous dit « Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagé et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et il le renverra très bientôt. Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes se trouvaient là et leur dirent « Oh là ! Qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils emmenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Et une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple. Il observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouvait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs, les changeurs d'argent, ainsi que leurs chaises, les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transportait des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis s'adressant à tous, il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit ? On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous en avez fait un repaire de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il était séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Et Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, que vous avez reçu cela, et cela vous sera accordé. Pardon. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus de vos fautes. » Amen. Longue lecture, mais c'est bien, parce que c'est la Bible qui nous enseigne, n'est-ce pas ? Je vais faire quelques commentaires, mais quelque part, la parole de Dieu est suffisante. Alors, ce texte nous dit plusieurs choses, et il y a au moins trois histoires dans l'histoire. Il y a premièrement cette histoire où Jésus dit à ses disciples, « Les gars, j'ai un projet, vous allez aller dans telle ville, vous allez voir un ânon. » Donc, à l'époque, l'ânon, c'est le moyen de locomotion le plus adapté. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il aurait dit « Allez me chercher une voiture, allez me chercher cette petite voiture-là au coin de la rue. Vous allez voir, la porte est ouverte. Et puis, si jamais quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui dites « Le Seigneur en a besoin. »
Ok ? Bon, je contextualise un peu pour qu'on puisse comprendre. On revient à notre ânon. Et puis Jésus dit, voilà, l'ânon se trouve là, il est attaché. Et puis voilà, vous allez le chercher parce que j'en ai besoin, n'est-ce pas ? Et puis, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, qu'on lui ramènera plus tard. Et donc, ce qui est, je trouve, marrant, c'est que les disciples y vont. Donc, on peut faire le texte pour nous. Chers frères et sœurs de EPE Limoges, juste là, sur la rue, un petit peu par là, il y a une BMW. Une belle BMW. La porte est ouverte ? Non. Est-ce que quelqu'un peut aller la chercher parce que le Seigneur en a besoin ? Je suis persuadé, alors évidemment, vous êtes préparés, vous avez compris la morale de l'histoire, donc tout le monde, évidemment, va y aller. Mais admettons que vous ne soyez pas préparés, je pense que peu iraient, et peut-être certains se diraient, bon là, évidemment, c'était Jésus, moi, je n'ai pas la même aura que lui, et puis vous auriez certainement quelques doutes, et qui seraient légitimes, bien entendu. Et moi, je vous dirais, mais vous êtes sûr ? Où vous avez placé votre foi, là, dis donc ? Le Seigneur m'a dit que, allez me chercher la BM, et puis si quelqu'un vous dit quelque chose, vous allez lui dire que le pasteur en a besoin, le Seigneur en a besoin, on lui ramène tout à l'heure, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se passe dans l'histoire avec l'ânon. Les disciples y vont, et déjà, je trouve que c'est beau, déjà, de leur part. Alors, est-ce qu'ils y vont de pleine volonté, en se disant « Génial !» On va encore pouvoir être utile à notre Seigneur Jésus. On va encore expérimenter de belles choses de sa part. Peut-être. Ou peut-être qu'à l'intérieur, ils ont dit, non mais, c'est quoi encore ce truc-là ? Moi, je n'ai pas signé pour ça. Hein. Moi, je me suis engagé juste à faire deux, trois trucs de temps en temps, mais là, ça devient n'importe quoi, c'est ridicule. Hein. Comme si je vais prendre un âne, là, je vais m'exposer. Bon, enfin bref, ils y sont allés, d'une certaine manière. Ils ont mis leur foi en action. Okay ? Et voici qu'arrive, d'une certaine manière, ce que Jésus leur a dit. Prenez cet âne, il est exactement à l'endroit où il a décrit, et puis au moment où ils prennent l'âne, oh là ! D'où tu touches à mon âne, toi ? T'as demandé la permission à qui ? T'as pas les clés, en plus ? T'es sûr que t'es assuré pour prendre l'âne ? Vous voyez, ce genre de choses-là. Et je l'ai lu un peu de manière volontaire, un peu « Oh là !» Parce que des fois, on lit la parole de Dieu. Et le personnage dit « Oh là ! Qu'est-ce qui t'arrive ?» Oui, il y avait de la conviction, on est en train de toucher à son âne. Et voilà que les disciples disent « Pas de souci, le Seigneur en a besoin. » Et ce qu'on a l'impression, c'est que les prétentions du gars, qui est là en disant « Toi, tu ne vas pas toucher à mon âne », c'est comme toutes les prétentions, toutes les pensées, je dirais, toutes les actions qu'il allait entreprendre pour défendre l'âne, ou qu'on lui prenne son âne, tout retombe. Et c'est comme s'il passe à autre chose. Ça paraît ridicule, d'une certaine manière, cette manière de faire, si je peux dire. C'est un acte de foi qui paraît bizarre, inattendu, et pourtant, il nous apprend quelque chose. C'est que les disciples, quelle que soit l'attitude qu'ils avaient dans leur cœur, ils ont choisi de croire et d'aller en fonction de ce que Jésus leur disait. Et lorsqu'ils ont appliqué à la lettre ce que Jésus leur a dit de dire, parce qu'ils auraient très bien pu adapter aussi, on fait ça des fois, Dieu nous dit des choses, il nous montre des choses, il nous dit « tu vas faire ça » et ça ne nous paraît pas raisonnable, alors on adapte. Il n'y a que moi qui ai fait ça ? Non, il n'y a pas que moi. Les disciples auraient très bien pu dire « Oui, ok, on va aller chercher l'âne, et puis si jamais il y a quelqu'un qui nous empêche de le prendre, bon, on est plusieurs. Toi, tu prends des cordes, toi, tu t'occupes de la tête, moi, des jambes, voilà. » Ils auraient pu trouver une solution comme ça, pour essayer de récupérer l'âne. Comme certains disent, peu importe le chemin, l'important, c'est l'objectif. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, ils ont obéi à la lettre ce que Jésus leur avait dit de dire et de faire. Et à ce moment-là, c'est là où leur foi basée sur la parole de Dieu peut leur donner de réaliser que lorsque je place ma foi en Dieu, il y a une autorité qui m'est déléguée lorsque je parle de Dieu, de la manière dont Dieu m'a demandé de parler. Il y a une autorité qui n'a plus rien à voir avec moi, mais avec Dieu. Et c'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu, que nous la déclarons. Et lorsque nous la déclarons en la croyant,
la parole de Dieu a une autorité. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique, ça vous l'aviez compris. Certains sont incapables de terminer leur prière sans dire « au nom de Jésus ». Ok, mais si tu perds le sens, bah ça n'a pas de sens. Tu pries au nom de Jésus parce que tu t'es soucié de comprendre ce que Dieu voulait et tu pries de la manière dont il veut que tu puisses prier et déclarer ce qu'il veut que tu puisses prier. Je suis clair ? Alors tu signes « au nom de Jésus ». Mais quelque part, tu n'es même pas obligé de le dire parce que si c'est au nom de Jésus, l'autorité est déléguée. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des choses souvent qui sont présentes dans la parole de Dieu. Il faut toujours saisir ce que dit vraiment la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on fait ces temps d'études bibliques, notamment. Que des fois, on proclame des choses qu'on n'a juste pas compris. Il faut comprendre le contexte, il faut comprendre ce que dit la parole de Dieu. Mais si je crois, que je déclare, que je m'empare, il y a une autorité qui m'est déléguée. C'est pour ça qu'on peut prier pour les malades, par exemple. Dieu fait toujours ce qu'il veut, mais il nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité aussi pour chasser les démons. Qui a la capacité de chasser les démons ici ? Personne. Nous, en Christ, et c'est lui qui le fait en nous. Il nous donne l'autorité basée sur sa parole. Okay ? Et donc les disciples découvrent ça. Allez me chercher l'annonce, si on vous dit quelque chose, vous répondez exactement ça. Ils ont placé leur foi, et leur foi en action leur montre que l'autorité est déléguée. Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te montre quelque chose, il ne te dit pas « tu vas faire ça avec tes capacités », mais « tu vas croire et tu vas me voir agir ». C'est quelque chose de différent. Parler de Limoges, il y a tellement de défis qui sont inhérents à la ville, à l'atmosphère, à la population, à la tradition, à l'histoire. Enfin, vous voyez, je peux vous dire tout un tas de... Il y a tellement de défis pour nous aujourd'hui. Mais Dieu nous dit, voici, je t'ai appelé ici. Tu vas marcher. Tu vas aller dans telle direction. Tu vas aller délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, déboucher les oreilles des sourds. Il ne te dit pas que tu le fais avec ta capacité. Il te dit, vas-y en fonction de ce que j'ai mis dans ton cœur, de la manière dont je vais te montrer, et tu verras l'autorité qui est en délégation. Et tu me verras agir au travers de ta foi. La question à se poser, c'est qu'est-ce que nous croyons aujourd'hui ? Ou est-ce que nous croyons encore quelque chose qui nous paraît déraisonnable ? Quels sont les plans de Dieu ? Nous ne savons pas, nous ne les comprenons pas. Mais j'aime croire que souvent, ils dépassent peut-être même notre bonne manière de penser, établie, raisonnable à la française. Les Français devaient dire « Amen ». Et les Africains et les autres aussi, parce que même si vous n'êtes pas français de souche, vous êtes concernés par cet esprit de « on est raisonnable ». Alors, les disciples découvrent ça, que la foi basée sur la parole de Dieu, elle délègue une autorité. Notre histoire qu'on voit dans ce passage que nous avons lu, c'est l'histoire du figuier. Il y a là un pauvre figuier qui n'a rien demandé à personne. Et le pauvre, c'est qu'il ne fait pas la fonction qu'il devrait avoir, c'est-à-dire faire des fruits. Le texte, on a sur ce meurtre, dit que ce n'était pas la saison des fruits, mais en tout cas, il n'y avait pas de fruits qui étaient portés par cet arbre-là au moment où Jésus en avait besoin. Et Jésus lui dit, écoute, tu n'auras plus jamais de fruits, on ne mangera jamais plus de tes fruits, et puis il va sécher ce figuier. Alors, dans un jargon de Julien du 21e siècle, l'impression qu'on a, c'est que Jésus dit à ce figuier, en fait, tu ne sers à rien, quoi. Tu occupes la terre, tu prends de l'eau, mais tu ne fais pas de fruits. Et c'est pour ça que tu es fait, pour faire du fruit. Alors évidemment, vous voyez venir, vous savez que je vais vous dire que nous aussi, en tant que chrétiens, on est fait pour porter du fruit. Alors, quels sont les fruits ? Les fruits de l'esprit, la paix, toutes ces choses-là. Le fruit n'est pas forcément celui qu'on imagine. Dans certains milieux, quand on parle de fruits, on voit la puissance, on voit des guérisons multiples, etc., et tout un tas de choses. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de ça. Mais en tout cas, un fruit qui est nécessaire et qui peut répondre à un besoin le cas échéant. Nous tous sommes porteurs, normalement, de ce fruit-là. Un fruit que l'un ou l'autre peut venir cueillir quand je suis dans la détresse,
quand je suis stressé, quand je ne suis pas bien. J'ai ma sœur, j'ai mon frère, qui lui porte le fruit, un fruit où il est paisible, il a une paix qui l'habite, et je peux aller cueillir ce fruit chez lui. Fruit de la foi. Je suis tellement dans des difficultés, mais je vais aller discuter avec mon frère qui, lui, a ce fruit-là. Je peux me saisir avec lui, on peut ensemble manger ce fruit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que nous tous, en tant que croyants, il y a un fruit qui doit être porté en fonction de ce que Dieu nous a donné, en fonction de ce qu'on est. Alors, pour revenir à notre histoire, Jésus voit ce figuier qui ne porte pas de fruit et lui dit, bon, écoute, mon gars, c'est terminé maintenant. On va passer à autre chose. Et il parle. Il parle à ce figuier. Quelque chose qui paraît anodin. Et ce qui est étonnant, c'est de voir les disciples. On retourne à la fin de l'histoire. Et puis, c'est juste une petite parole qui est dite comme ça de la part du Seigneur. Où on n'a pas forcément relevé. Ils n'ont pas fait toute une étude sur ce que Jésus venait de faire. Ils ont juste entendu qu'il a dit ça. Puis, quelques temps après, il retourne à côté du figuier. Et là, le disciple est étonné. Il est étonné. Il n'en croit pas ses yeux. Et on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il est étonné ? S'il a une relation avec Dieu, il sait que ce que Dieu dit, la chose arrive. On peut des fois être loin de cela, nous. On peut des fois donner dans nos vies l'illusion que Dieu parle pour rien. Que Dieu nous encourage et que c'est comme si ce n'était pas vrai. Des fois, il nous reprend et c'est comme si ce n'était pas vrai. Comme si on a mal interprété et que oui, disons les choses comme ça, que comme si Dieu parlait pour rien. Mais Jésus montre que Dieu et Jésus ne parlent pas pour rien. Il dit et la chose arrive. Et le disciple découvre ça et dit, mais je suis tellement étonné. Je suis tellement étonné. Ce figuier-là, il est sec parce que tu as parlé. Et il y a toujours une conséquence quand Dieu parle. Dans sa parole, quand ce qu'il nous dit à nous, et lorsqu'il nous reprend, il dit toujours, on a parlé tout à l'heure quand on a prié avec notre chère Suzy, c'est qu'il y a des conséquences à nos choix toujours, à nos actions, mais aussi à nos paroles, et surtout la parole de Dieu. Dieu a parlé, et la chose est arrivée. Et les disciples, d'une certaine manière, découvrent ça. Dieu ne parle pas en vain, ils découvrent la capacité de Dieu quand il parle. Qu'est-ce que Dieu a dit sur notre vie ? Qu'est-ce que Dieu nous a dit ? À travers d'une forme ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose qui compte. Quand Dieu nous dit, ne va pas là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand on voit que, à la fin du texte qu'on a lu, il dit, celui qui ne sera pas dans le pardon, celui qui ne pardonne pas, ne sera pas pardonné. Ce n'est pas des paroles en l'air, vous savez. Quand il est question du retour de Jésus, si je reprends le texte initial, le premier que j'ai lu, quand Jésus dit lui-même, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre ? Ce n'est pas des paroles en l'air. Nous proclamons souvent que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Et c'est vrai. Dieu ne parle pas en vain, il ne parle pas en l'air. Et le disciple découvre ça. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Il lui dit, mais du coup, tu es étonné. Mais moi, je te dis, ayez foi en Dieu. Il faut que vous croyiez Dieu. Il faut que vous croyiez que sa parole est la vérité, qu'il ne parle pas en vain. Et que même si ça nous paraît lointain, et que même si les atmosphères actuelles nous font penser que Dieu ne parle pas en vain. Et il dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Notre version dit, ayez la foi de Dieu. Parce que tout se base là-dessus. Nos défis sont divers et variés. Où est notre foi ? Le message de Dieu, c'est, ayez foi en Dieu. Alors Dieu ne parle pas en vain. Et puis de la même manière, il ne change pas d'avis. Il ne change pas. Et ce qu'il dit s'accomplit et ne varie pas. J'ai fait plusieurs exhortations sur ce point-là, où n'imaginons pas qu'on peut faire changer la volonté de Dieu. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Aucun de nous, même aussi sage soit-il,
ne peut mieux penser que Dieu, ne peut mieux appréhender les choses que Dieu. Ainsi, lorsque nous intercédons, n'imaginons pas qu'on va faire plier. C'est pas l'intercession, c'est pas un bras de fer, voyez-vous. En tout cas, pas un bras de fer avec Dieu. Intercession, je me mets à côté de Dieu, je saisis le message, j'essaie de comprendre ce qu'il veut faire et je prie en fonction d'eux. Mais jamais Dieu ne changera d'avis parce que j'ai bien intercédé. Aucun personnage de la Bible, aussi proche soit-il de Dieu, n'a pu faire ça. Ni Abraham, ni Moïse, ni même aucun d'eux. Et Jésus même, qui dans le jardin de Gethsémané intercède parce qu'il est tellement mal dans son humanité, et dira non, non, mais pas ma volonté, mais la tienne. Dieu sait mieux que nous, toujours. Il a une sagesse divine qui nous échappe et il ne change pas de volonté. Ce qu'il proclame, la chose arrive et elle ne change pas. Même les années qui passent ne font pas changer la puissance, la capacité ou la vérité de la parole de Dieu. On a un peu tendance à ça aujourd'hui parce que le siècle évolue, les mentalités évoluent en se disant « mais Dieu a dit ça, mais il y a longtemps ». Sous-entendu que ce serait plus valable aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré mauvais, sera toujours mauvais, même dans 50 ans, même dans 150 ans, même dans 3000 ans. Parce qu'il est Dieu. Et Jésus montre ça dans cette troisième histoire de ce texte. C'est qu'il arrive au temple, j'ai déjà prêché sur ce texte-là, et les choses ne se passent pas comme Dieu a décidé. Dieu avait établi des règles, et puis au fur et à mesure des années, en s'accommodant pour que ça soit plus pratique, etc., pour que tout le monde puisse en profiter, les marchands, ceux qui devaient servir dans le temple, ont élaboré des stratégies pour s'enrichir, pour faire tout un petit business, mais qui n'est plus du tout dans la pensée de Dieu. Et Dieu n'a pas oublié ce qu'il avait dit. Il n'avait pas oublié de quelle manière devaient se faire les choses. Alors Jésus observa. On l'a vu dans le texte qu'on a lu. Il monte au temple, il observa tout ce qui s'y passait. Et il a regardé les cœurs des uns et des autres. Et il a regardé surtout les actions, si elles étaient véritablement conformes à la parole de Dieu. Dit autrement, si ces gens qui pratiquaient le culte à Dieu étaient assez remplis de foi pour accomplir ce que Dieu demandait. La vérité, c'est que non. Alors Jésus vient remettre de l'ordre. Il vient, et l'histoire, je l'ai déjà fait, on a l'impression que c'est un passage qui arrive vite fait, que Jésus a un coup de sang, et puis il crie un bon coup, et puis tout le monde sort. Sauf qu'évidemment, lorsqu'on étudie le contexte, on sait qu'il y avait des milliers de personnes dans ce temple à ce moment-là, et que tous auraient pu s'opposer, l'attraper, lui donner un calmant ou je ne sais quoi, mais que personne ne l'a fait, mais que personne n'a pu le faire. Parce que lorsque Jésus remplit de la foi de Dieu, rempli de la foi qu'il a dans la parole de Dieu, où il va rétablir ce qui est juste, là encore, personne ne peut s'opposer à lui, parce qu'il est Dieu. Alors Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. J'aimerais nous dire aussi que pour nous, nous qui sommes ni Jésus ni Dieu, mais qui sommes enfants de Dieu, si tôt ou tard dans nos vies, on décide de croire la parole de Dieu, pas de simplement faire des incantations avec, mais de la croire, de la proclamer et d'aller en fonction d'eux, Dieu donne une capacité, une autorité et pourquoi pas, le cas échéant aussi, une force surnaturelle. Détendez-vous, je ne suis pas en train de vous parler de super-héros ou je ne sais quoi, saisissez bien ce que je suis en train de vous dire, mais je le crois de tout mon cœur. Lorsqu'on était à Mulhouse, on a eu la chance d'avoir un frère, j'en dis pas plus parce qu'il est comme c'est très compliqué, il ne faut pas que ça se sache, mais un frère qui est pasteur d'une église et dans un autre pays, et ils ont vécu des choses juste folles, persécutions, etc. Et j'écoutais ce gars, il, qui est intervenu, mais il était déjà d'une humilité comme on voit rarement les gens d'aujourd'hui. Et il ne parlait pas de lui, ce que moi j'ai fait, il racontait ce que Dieu avait fait au travers de ce qu'il avait mis en application parce qu'il croyait ce que Dieu lui avait dit. Et dans son pays, est arrivé un moment donné que soit il croyait Dieu, ou soit il se soumettait aux autorités et il ne pouvait plus dire qu'il croyait Dieu. Et il a choisi de croire Dieu. Il raconte des histoires où
Dieu s'est révélé d'une manière incroyable, inhumaine, des choses qui sont juste miraculeuses, voyez-vous ? Et c'est de ça que je vous parle. C'est-à-dire que de plus en plus, on est dans un contexte, c'est-à-dire, il nous le dit souvent, ça, Julien, ça doit être vrai. Oui, c'est vrai. Vous le savez, les choses sont de plus en plus compliquées. On a beau être dans le pays de liberté, égalité, fraternité, la liberté, en tout cas, de penser ou de s'exprimer dans un certain, à une certaine limite. Bien entendu, on est là pour respecter les uns et les autres, mais on constate que même dans notre pays, les choses sont de plus en plus compliquées et que ça va de mal en pis. Il suffirait juste de se pencher un petit peu sur certaines lois qui ont été mises en place encore dernièrement pour constater que tôt ou tard, quand ils en auront marre de nous ou d'autres, hein, eh ben, ils auront juste à mettre les lois en application et ce sera terminé. Et dans ce moment-là, ben, soit je serai fidèle à ce que Dieu me demande, soit je me soumettrai à d'autres lois qui feront de moi un infidèle aux yeux de Dieu. Une question à se poser. Si je dois être cohérent avec ce que je crois, il y a déjà aujourd'hui des choses que je devrais dire que je ne dis pas parce que j'ai peur de... J'aimerais juste nous rappeler cela. C'est que ce que Dieu déclare étant la vérité restera toujours la vérité. Et que si je choisis de marcher dans la vérité, en fonction de ce qu'il me donnera, automatiquement, je recevrai une délégation de son autorité et de sa capacité. Aussi, nous avons souvent peur des montagnes, des choses qui sont à droite à gauche qui pourraient nous faire peur, mais nous oublions la grandeur de Dieu et de sa parole. Nous sommes dans des temps compliqués, et je termine en rappelant cela, que Jésus, ce qu'il dit, c'est « Ayez foi en Dieu, pas en vos traditions, pas en vos capacités, mais ayez foi en Dieu, dans ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même que à la création, quand il parle, quand il déclare toutes ces choses et qu'il crée, le même lorsque nous le voyons en Jésus, donc manifester des miracles ici et là, le même qu'à la Pentecôte, le même que nous voyons aussi dans l'Apocalypse. Ayons foi en Dieu. Arrêtons-nous là. Louons notre Dieu parce qu'il est vivant. Il nous aime et nous donne toute capacité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre soin de nous et de nous rappeler ce matin encore que l'objectif principal, c'est que notre foi ne meure pas. Et tu nous rappelles qu'avec un petit grain de sénevé, nous disons à cette montagne, ôte-toi de là, elle irait se jeter dans la mer. Montagne de nos péchés, de notre incrédulité. Père, merci de nous rappeler cela. Nous ne voulons pas être des chrétiens avec des traditions, avec des savoir-faire, ou je ne sais quoi encore, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Père, viens nous parler encore. Que ton esprit soit à l'œuvre, nous accompagne, nous fasse cheminer et nous rapproche de ton cœur. Père, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.